Un enfant qui se fait harceler à l'école, j'ai pas dit que c'était à cause des profs, quand il se suicide, c'est pas uniquement à cause des élèves, c'est que les adultes n'ont rien fait pour l'aider. Hein, je suis désolé, vous allez voir. Ce n'est pas le même problème qu'un professeur qui C'est pas le même problème. C'est important qu'on écoute les adultes. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Le harcèlement entre élèves, les profs ne sont pas formés à le repérer. Voilà. Et c'est bien parce ce que disait Natacha d'ailleurs. Oui, mais elle a raison. C'est bien parce que cette formation-là ne faisait pas partie, et même encore, j'en doute, même si aujourd'hui on a au niveau du ministère pris le dossier à bras-le-corps, il y a aujourd'hui des équipes qui forment des gens sur le terrain pour repérer, parce que le principe d'un gamin qui est harcelé, c'est qu'il a effectivement des symptômes, il ne veut plus aller à l'école, mais on ne sait pas pourquoi il ne veut plus aller à l'école. Il a la boule au ventre le matin, etc. Mais est-ce que vous connaissez Gossip? Gossip, c'est une application. Voilà. Absolument. Voilà, c'est une application. Bon, c'est pas les mômes qui ont inventé Gossip. Gossip, c'est une application. Sauf que ce sont les mômes qui l'utilisent. Voilà, voilà. Entre eux. On peut complètement envoyer des ragots qui vont se. Daniel. Voilà. Mais Gossip, c'est. Mais le, c'est pas non plus les profs qui l'ont inventé. Non, non, pas du tout. Et ça devrait être. Non, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir avec les profs. Avec ce que vous dites. C'est-à-dire qu'actuellement, dans les cours de récréation, le plus nuisible, ce sont des choses comme Gossip. Alors, je me demande. Je prends la parole, j'ai une bonne nouvelle pour Daniel. Ça a été interdit cet après-midi, possible par l'éducation nationale. Exactement. C'était une application. Alors, la question... Le SM a expliqué qu'on ne pouvait pas interdire, qu'il fallait surveiller. Surveiller. Ah bon? Oui, bien sûr. Comment tu peux interdire? Et du coup... Ils ferment le site. La jeune femme qui a inventé le site a décidé d'en rouvrir un qui serait prétendument interdit au moins de 8 ans. Voilà, donc c'est le serpent qui se marre. Natacha Polony, je peux...